Ông quỳ cho. Ông trưởng chủ đề bậc cao to cách chấm đại ca này thì xem là ca nâng sổm phật đạo bị ca chuyển từ làm nàng sa bình nhà làm bị miền ốc ca tăng sổm nô đánh đau chỉ bộ sợ xây sổm chơi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait rapport à Yang Sari concernant la famine que vous aviez pu constater sur le terrain lors de certains voyages que vous aviez effectués à l'intérieur du Cambodge démocratique. Est-ce qu'à la suite de ce rapport fait au ministre, y a-t-il eu une nouvelle politique élaborée? Bạn cứ miên dụ bái thư chia sả ra cho chỉ chấp bắp tạm khu nhầm chăm đòi trú trú tì muối ạ. มูลฐานត្រូវមានឲ្យបាយឲ្យបាយប្រជាជនហូបឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទី2ការដែលត្រូវចោទថាអ្នកណាអ្នកណាមានទោសយ៉ាងណាយ៉ាងណាត្រូវឲ្យទៅតាមឋានៈ7ឋានៈ ឋានៈភូមិឋានៈឃុំឋានៈស្រុកឋានៈខេត្តឋានៈភូមិភាគឋានៈប្រទេសនិងឋានៈមជ្ឈិមសម្រេចបានQuand vous dites que s'agissait d'une décision, par exemple, concernant l'accusation d'un délit, s'agissait-il d'une décision d'exécution pour être précis? มันแม่นสำหรับទៅสำหรับចោលទេគឺខ្ញុំនិយាយថាត្រួតពិនិត្យឲ្យបានបំពេលឋានៈឲ្យបានបំពេលឋានៈនេះតើទោះនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរគ្រាន់តែថាបានបំពេលឋានៈសិនឯទោះទៅមុខទៀតអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេ Monsieur le Président, je voudrais m'en référer à un document, un procès-verbal d'audition D91-14. Et je vais vous donner les numéros d'IRN. En Khmer, 0020-40-97. En français, 0050-39-36. Et en anglais, 0036-10-11, si on peut afficher ce document à l'écran avec votre autorisation.
en Khmer, je répète, 0020 40 97, et c'est plutôt vers la fin de la page. Je veux faire une rectification, Monsieur le Président, en anglais. C'est la page 0022-35-93, plutôt que celle que j'avais citée auparavant. Alors, dans le milieu de cette réponse, donc vous parlez du fait que vous avez accompagné le visiteur à Siem Reap. Et je cite, à cette occasion, j'ai pu me rendre compte que la population était confrontée à des difficultés extrêmes. Durant ce voyage, j'ai pu revoir mon père à Kampong Thom. Il s'est lui aussi retrouvé dans la plus grande adversité. Une fois de retour, j'ai rendu compte à M. Yeng Sari des difficultés de la population. M. Yeng Sari, à son tour, en a rendu compte au comité central. À partir de ce moment précis, le comité central du parti a élaboré une nouvelle politique qui disait que le cadre qui donnerait à manger de la soupe de riz à la population, ce cadre en question était un trait à la population. La décision de l'exécution d'une personne quelconque dans la population n'était possible qu'à condition d'avoir une décision qui était prise à l'échelle du village, de la commune, du district, de la région, de la zone, et par trois membres du comité central du parti. Voilà, monsieur le témoin, est-ce que vous confirmez les termes de ce procès verbal? Merci. Il s'agissait d'une nouvelle politique qui semblait être plus restrictive que ce qu'il y avait avant. Sinon, ce ne serait pas une nouvelle politique. Alors, quelle était la politique qui était appliquée avant cette nouvelle politique en matière de déterminer qui était traître ou de décision quant à l'exécution d'une personne? Pour la nouvelle politique, vous avez dit qu'il y avait sept échelons qui devaient donner leur accord. Vous ne savez donc pas, pour l'ancienne politique, combien d'échelons étaient nécessaires? Merci. Je voudrais maintenant poser quelques questions de clarification concernant le rôle de M. Khieu Samphan. Vous avez dit à l'audience que tant que Khieu Samphan Khieu-pang occupait des fonctions au bureau 870, ce n'était pas, je crois, tout à fait clair pour tout le monde quelles étaient précisément la différence entre les responsabilités de ces deux personnes au sein du bureau 870 lorsqu'elles travaillaient ensemble. Som banchak tha totul kho trou nu vie mon chi tram trou ponman te vie kran da tha khơi nơi khnông mần tì nông hái, khi nhóm mơ khơi mần tì nông hái, khi nhóm dùl khơi tha tà tùa khó trâu tử, bịa tha tà tùa khó trâu tử. Bạn là bậc nhóm bị cha ra na mó tha tê, bịa ní mần tà tùa khó trâu tê.
Pierre te chui. Chui, hiệu ban kai tầm rơi pi môn mau hai chui. Chui thuê ni chui thuê nu. Ai pia ta tự tua khó trâu nâng đôi ta về chọp tự pia nó dù bái đôi về thông quân pê. Nhà mơ ta tự chui. Hai, về nu tiết. Có kê mân ban prap khyom tha. Nẹ ni, thả nạ nu ấy ôi khyom đăng tê, ọt bàn đăng tê. Nhóm nì dê ta tự tua khó trâu, tự tua khó trâu dâng tư. Ni tì mùi. Tì pi, bong khiêu xâm phòn. Nơi khăn ông một tí nu. Nhóm bịa tha, dây bịa tha tựa khó trâu nu. Đôi nhóm bàn trầm riêng mạnh chăng. Mình đăng chìa miên phía đạ cách ấy tê. Bầm bay rồi chất, cầm đăng. Tại khăn ông bầm bay rồi chất ấy, cái hai ta bầm bay rồi chất tăng ọ khăn nha hơi, chìa tu tư cho nọ nu. Tì bầm bay rồi chất, nè nà khăn ông tì bầm bay rồi chất nâng cứ sớt, bầm bay rồi chất ở tăng ọ nâng. À nâng tùm lọp nị dây. Đôi chân này, dù bịa tùm lọp nì dê, dù mò chìa bịa bàn ca, khăn ông bê là lâu ní, nhóm khơi anh thao cổ vía. Vì mình sạch xa nụ mát, vì mình dụt thì thoát đài. Đôi chân này, nhóm dây bịa thật. Chui ta, chùm nuôi ca ấy nhắn tư. Khơi anh quát, chui tay rương cặp bách cặp bốc. Chạy ní, chạy nụ tay bà nô. Entre les deux, qui s'occupait des affaires à l'extérieur, des affaires à l'intérieur? Nè tàng pi nu miên chmu ấy. Pardon, je reviens à la question initiale qui était Kyusampan et Pang. Est-ce qu'il y en avait un qui travaillait plus à l'extérieur et l'autre peut-être plus à l'intérieur ou non? Lok Kyusampan nou tae khang khnong phiek chraen. Khnyom tae chuop mdoang ma kal khoeng tae kot nou khang khnong tae. Hãy kháng kháu có tới nào nhóm mình đang tê. Nụ bóng ạ, bàn tư kháng kháu. Khơi anh chi mở tô, tư ni tư nu. Khơi anh ta tam phá tê. Donc vous avez rencontré Kyusampan au bureau 870, c'est cela? Bad. Et vous l'avez également rencontré quand il venait parfois au ministère des Affaires étrangères. Vous avez dit, je crois que c'était lundi, qu'il venait pour les questions de ticket d'avion. បាទធ្លាប់ជួបគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រស្រ័យតាក់ទងនឹងគាត់ទេគាត់ជួបខាងផ្នែកបញ្ញាជនតាក់ទងខាងបរទេស Est-ce que Kyusampan est venu au ministère également pour obtenir des informations qu'il aurait pu utiliser dans des discours? Rien ni khi mình đăng cho bà lo tê. Monsieur le Président, je voudrais montrer la réponse 30 qu'a donnée le témoin dans le document D369-36. Si j'ai l'autorisation de le projeter à l'écran et de lui montrer. Merci.
Donc la réponse 30. Merci. Alors, la question était de savoir, lorsque M. Kyusampan est venu travailler en remplacement, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Vous avez répondu, la réponse 30, il venait chercher des informations, il se demandait quels étaient les thèmes à traiter dans les discours. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, M. le témoin? Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Bah, nous avons un commentaire. Est-ce qu'il venait demander ces informations également quand Yang Sari était présent? Merci. Je voudrais maintenant revenir un petit peu en arrière et à la période qui précède avril 1975, toujours concernant M. Kyusampan. Avant avril 1975, quel était le rôle exact ou les fonctions précises de Kyusampan dans la révolution? Lorsqu'il était dans le maquis, est-ce qu'il travaillait pour le front ou travaillait-il pour le Parti communiste cambodgien? Oui, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à l'ensemble de la Chambre et des partis. Une objection sur la question de Monsieur le Procureur, qui est particulièrement directive. Je pense qu'il faut qu'il la reformule. Pour ne pas perdre de temps, je vais d'abord poser la première question à votre connaissance. Quels étaient les rôles et fonctions précises de Kyusampan dans la révolution avant avril 1975? Ça n'a pas été tout à fait clair précédemment. Hier, vous avez confirmé la teneur de la réponse 39 du document D-369-36 et notamment, vous avez dit qu'il était exact, que vous aviez dit devant les enquêteurs que lorsqu'il est entré, on parle de Kyusampan, lorsqu'il est entré dans le maquis au début, il a travaillé dans un bureau intitulé le bureau du front. Ce n'était pas un bureau du comité central, pourtant il faisait des allers-retours au bureau du comité central. Ça, vous l'avez déjà confirmé hier. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre ce que vous voulez dire par bureau du front? Qu'est-ce que c'était ce bureau du front? Tham tì nạ xe, không có tha tam nghe chăng tàu, tì nạ xe.
Bah. Donc, est-ce que c'était en rapport avec le front, le front uni du Cambodge, ou bien c'était juste pour dire le bureau de devant? Rachana Sampuan Ruka Tiatong Raviang Ranakse Nang Ranakse Bukulna Bukulna Khyom Ot Bandang Te. Kang yi na dung dung ta kang yi ai ban ai ni chi tru sdai dam bai ka pia san thai sok ruom et pouvez-vous nous dire alors qui travaillait à ce bureau du front thana na ke khla tveu ka neu mntri rana se ni. Nhóm trăm mình cho ba. Vân tay đôi chìa. Ê sẽ ra chôn sầm khăn khá là. Đôi chìa. Lịch mùa thì tiên. Hãy nâng lè bởi chế bốt rộp bò xâm tách ơ vệch là nhóm có phê chế mua thật thiệt xâm tù à. Où étaient situés ces emplacements, les emplacements des bureaux du front et du bureau du comité central? Tant 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 tant. Nhóm đang ruộng ruộng thà nâu prung đàn của phung chàm của phung thông. Em tì ra nạ xế nâu chẳng ai bìm tì khang mà châm. Trời thua đầm nơ và hè bì thang ngay. Bạn đòi. Merci. Alors, je vais simplement revenir sur ce que vous aviez dit sur le bureau, ou plutôt la maison ou la hutte de Kim. Lorsque vous étiez là-bas, que vous étiez, si j'ai bien compris, garde du corps de Pol Pot. Lorsque vous êtes allé dans la commune de Pim, à l'ouest de Udong, et vous avez accompagné Pol Pot, est-ce que vous avez vu Khieu Samphan venir sur place et assister à des réunions? Somto, nhom chabas ay kum, kum nang yam ay kum. Chmuk kum mình, lục thật chmuk kum á. Non, non, je voulais parler de la commune, enfin de l'endroit qui s'appelait Pim. Vous avez en fait mentionné plusieurs noms de villages à l'ouest d'Udong. Vous êtes resté avant l'attaque sur Phnom Penh avec Pol Pot. Et je voulais savoir à cet endroit si Khieu Samphan était venu sur place tout d'abord et s'il avait participé à des réunions sur place. Nhóm khơi bọn Khieu Samphan thọ lập nâu
Hai ka prachum mon mien che ka prachum ai thom dom te nyom khoeng kwat chuay thoem chi chi nang mae chi krom save ai ta mơ thoe tam chi ni ai ka prachum ko khnyom dang prachum ai dae baat Que M. Kyusampan avait des responsabilités en matière militaire avant l'attaque de Phnom Penh sur Phnom Penh. Mình miên tế. Pourquoi s'occupait-il de listes de munitions s'il n'avait rien à faire avec les affaires militaires? Chuối khnia tới vinh tới mau cái ọt bạc can tê chân non nung cái ọt bạc can tê ở tới càng nghe ấy thơ ban thơ nung ngơi Est-ce que vous avez vu également Nunchia venir au même endroit pour rencontrer Pol Pot dans cette même commune? Saviez-vous s'il existait d'autres bureaux, ou plutôt d'autres maisons du parti, ou bien des bases militaires près d'Oudan, du début de 1975 jusqu'à l'attaque finale sur Phnom Penh? Khmien ktom tana tiet te, mien tai mui. Dans cette maison, combien de personnes travaillaient au service de M. Pol Pot? Mien khnyom neu che pracham. Mien neak dam bai. Mneak. Mien ka pia. Pi neak. Tai panok. Khnyom som chum riep. Tì nu mình miên prey tê, prey là bò. Bà sân, chia hiền thơ ấy thông đống. Tịch hơi, à trung trúc mà lên ở hơi. Đồ chân nè xa là, hơi xa ngát. Hơi chả lạt chọp. Est-ce que Chim, qui plus tard a travaillé, vous avez dit comme adjoint, comme votre adjoint au ministère des Affaires étrangères, a également travaillé sur place avec vous auprès de Pol Pot? Chim, tu m'as dit que tu as dit, tu es venu de ça, rôk trai, rôk sạch. Đó chun mình tôm nu. Et il était Jim était le messager de qui à ce moment-là? Quand tu es chien, il est ça, bon, bon, là, là. Quand tu es né de ça, robot, mon petit, pour me payer le chat.
Lorsque Pol Pot et les autres dirigeants sont partis pour Phnom Penh, vous avez dit que vous aviez continué à garder la maison pendant leur absence. Pourquoi était-il important de garder une maison alors qu'ils étaient déjà partis? Surtout que c'était une hutte. Merci, je comprends. Vous avez dit à propos de la prise de Phnom Penh, devant cette chambre, vous avez dit que vous aviez entendu des soldats qui parlaient du fait que des milliers d'espions s'étaient infiltrés à Phnom Penh et pouvaient conduire des actes de sabotage. Quand et où avez-vous entendu ces soldats qui en parlaient? ចារកម្មកិច្ចគិញទាំងអស់នេះដែលធ្វើចារកម្មហ្នឹងនៅពេលណាដែរខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស៊ើបការខាងចារកម្មទេខ្ញុំមិនអាចស៊ើបអីដឹងថាគិញនឹងនៅទីណាទីណាទេក៏ប៉ុន្តែជាច្បាប់តាមខ្ញុំយល់ខ្លះៗទេមកដល់ឥឡូវទេបើខ្ញុំយល់ពីដើមខ្ញុំមិនយល់ទេ ជាច្បាប់មិនមើលទូរទស្សន៍មើលអីទៅទៅចារកម្មនឹងអឺរ៉ុបនឹងគឺផ្កាឥឡូវវាចេះធ្វើកប៉ាល់ហោះទៀតនោះអត់មានមនុស្សជិះទៀតហើយជំនាន់ខ្ញុំនឹងអត់មានទេទូរស័ព្ទសូមលោកជ្រាបបើលោកសួរអញ្ចឹងវាមិនយល់ពីរឿងពីដើមរបស់ខ្ញុំទេសូមទោសលោកខ្ញុំប្រតិកម្ម Quand vous avez entendu ce bruit qu'il y avait des milliers d'espions infiltrés à Phnom Penh, est-ce que vous auriez aussi entendu que c'était un des motifs pour lesquels la ville avait été évacuée? ខ្ញុំដឹងថាមូលហេតុចម្លៀសចេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងគឺមូលហេតុពីរឿងនឹងឯងគឺថាច្បាស់ជាមាននយោបាយចាញ់របស់លោកលន់នល់ហើយនយោបាយចាញ់នេះគឺដើម្បីស្ដារឲ្យឈ្នះវិញគឺត្រូវប្រើចារកម្មសម្ងាត់ Est-ce que l'évacuation s'inscrivait peut-être aussi dans le cadre d'une politique du parti visant à l'égalitarisme et à l'abolition des classes et des privilèges, des classes capitalistes féodales, etc. Est-ce que vous avez entendu ça? ខ្ញុំមិនលឺពាក្យដែលលោកនិយាយនឹងទេ Merci, je vais être plus concret et revenir maintenant au ministère des Affaires étrangères pour quelques instants et à la période avril 75 jusqu'à janvier 79.
Est-ce que durant cette période, le ministère des Affaires étrangères a appelé les intellectuels cambodgiens qui se trouvaient à l'étranger à rentrer au pays? Oui, j'avais dit simplement, j'avais ouvert la question de savoir, durant toute cette période, et spécialement alors au début, où le ministère a fonctionné durant les deux premières années, est-ce qu'il y a eu un appel lancé aux intellectuels cambodgiens qui vivaient à l'étranger pour rentrer au pays, pour aider le pays? Non, non, bien sûr. Après que le ministère des Affaires étrangères ait commencé à fonctionner, est-ce que le ministère des Affaires étrangères, dans lequel vous travaillez avec M. Yeng Sary, est-ce qu'il y a eu un appel qui a été lancé par le ministère à l'intention des intellectuels qui résidaient à l'étranger? Vous aviez mentionné plus tôt, je crois que c'était lundi, vous aviez fait un voyage avec M. Yeng Sary vers les États-Unis pour assister à une assemblée générale, je crois, des Nations Unies. Est-ce que, à l'occasion de ce voyage-là, ou d'un autre voyage, vous êtes arrêté à Paris pour rencontrer des Cambodgiens qui résidaient sur place? Est-ce que cela s'est produit une seule fois ou plusieurs fois? Lors de ce passage à Paris, de cette réunion avec les Cambodgiens qui étaient sur place, qu'a dit Yeng Sary à propos du régime du Cambodge démocratique? Qu'est-ce qu'il a présenté comme information aux Cambodgiens qui souhaitaient savoir ce qui se passait dans le pays? À votre connaissance, combien d'intellectuels ou d'étudiants khmers qui résidaient à l'étranger sont-ils rentrés? Combien d'entre eux sont-ils rentrés avec ou sans leur famille au Cambodge entre avril 1975 et début 1979? Est-ce que je peux vous
vous demander de répéter votre réponse, parce qu'elle n'a pas été entendue par les interprètes. Merci. Khnyom plek oh hai. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire dans le document D91-14 que je voudrais montrer à l'écran à la page en Khmer 00-20-40-97 et en français 00-50-39-39. Il y a une particularité, il n'y a pas de traduction anglaise. Il manque une partie du procès-verbal en anglais. Cette question n'a pas été traduite. Et ni la réponse. C'est juste une petite phrase que je voudrais, Monsieur le Président, rappeler à Monsieur le Président. Donc la question portait justement sur ce retour des étudiants Khmer ou des intellectuels. Et vous avez répondu, il y avait plusieurs centaines d'étudiants qui sont revenus. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça? Qui était en charge d'accueillir ces intellectuels à leur arrivée à Pochentong? Dans le Pochentong, Mok Dol Krong, Khang Pong. Ai Khang Sampiria, Ki Yo Matuk Nau Kasuong Ka Borati. Merci. Alors, je vais reprendre exactement la même page en Khmer, le même document, D91-14. Et il n'y a toujours pas d'IRN en anglais, mais en français, c'est l'IRN 00-50-39-36 et en Khmer 00-20-40-97. Et je crois que vous avez le document, donc je vais lire ce que vous aviez dit. C'était une question donc, concernant le rôle de l'Inksarit qui aurait lancé un appel en direction des étudiants Khmer à l'étranger. Et la réponse est la suivante, celle que vous avez donnée. Il a appelé les intellectuels et les étudiants qui étaient à l'étranger pour qu'ils reviennent au pays et pour qu'ils participent à la reconstruction du pays. Ça, c'est vrai. À ce moment-là, j'étais en charge de l'accueil de tout ce groupe à l'aéroport de Pochentong. Il y avait plusieurs centaines d'étudiants qui sont revenus. Tous ces intellectuels sont allés habiter au bureau de Bumthabek. Bon, Hing Un était le responsable. Puis vous mentionnez que Pang était aussi un responsable. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Est-ce que vous voulez me dire si vous confirmez cette déclaration? Merci. Bad,
បន្តែពិបាកបន្តិចហើយមិនទាន់រៀបចំអីស្រួលបួលទេនេះសិតអត់ទៅនោះខ្លះថាទេមករួមណែមករួមដូច្នេះមកដល់អ្នកខ្លះមកនឹងទៅតាំងកប៉ាល់ហោះអញ្ចឹងទៅការតាក់ទងអីជាមួយប៉ងដូចខ្ញុំបាននិយាយលើកមុនអញ្ចឹង Merci. Que faisait-on des documents de voyage, c'est-à-dire des passeports de ces personnes, une fois qu'elles mettaient le pied à Pochentong? បញ្ហានេះខ្ញុំមិនដឹងទេខាងសន្តិសុខខាងយោធានៅពូចន្ទុងពេលនោះគេដឹកជញ្ជូនទៅណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែសម្ភារៈរបស់គេគេយកមកទុកនៅក្រសួងការបរទេសមានអីមិនដឹងទេអត់ហ៊ានឆែកមើលទេទុក Et pourquoi fallait-il prendre leurs effets personnels à leur arrivée? Je viens de lire votre déclaration qui disait que ces intellectuels étaient envoyés à Bang Trabek sous la responsabilité de M. Ping Hun. Est-ce que certains de ces intellectuels ou étudiants Khmer auraient échappé au transfert vers Bang Trabek pour intégrer directement le ministère des Affaires étrangères? Concernant les intellectuels que M. Yengsari avait déjà rencontrés auparavant en Chine, est-ce que certains d'entre eux ont travaillé au ministère des Affaires étrangères par la suite? Et à qui était confié alors ce
qui n'étaient pas venus au ministère des Affaires étrangères. On a parlé de Bang Trabek tout à l'heure. Pourquoi fallait-il envoyer ces intellectuels à Bang Trabek? Pouvez-vous nous donner des raisons? Est-ce que c'était une forme de rééducation pour qu'ils se forgent, qu'ils fassent leur preuve? Khyom ot dang rieng ka ngie ke te khyom dang tae rieng ka ngie khyom. Est-ce que Yang Sarie vous-même êtes allé à Bang Trabek? Yang Sarie hay lok ptoal no ban tae Bang Trabek dae ru te hay bo san che thlop tae nau pel na dae. Khyom ot skol bang trabaik te. Khyom skol bang trabaik. Tam khyom cham tau chmuoy bong Yang Sarie nau pel prahael chea mun dol kalak khae te yuon chol srok. Est-ce qu'il y avait un lien entre Bang Trabek et le ministère des Affaires étrangères lorsque Pang dirigeait Bang Trabek, du fait que c'était des intellectuels qui travaillaient sur place? Khyom mun ban khoen ka tiak tong te. Est-ce qu'il y aurait eu des cadres du ministère des Affaires étrangères qui seraient allés sur place à Bang Trabek pour enseigner ou endoctriner les intellectuels qui travaillaient avant que Bang Trabek soit placé sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères? Tam khyom cham ot mien te. Sa sai ma ton chloy. Som jeing lok mitavi. Thank you for Mr. President, perhaps the question could be rephrased so it doesn't call for speculation. I would most appreciate. Som don ni lang mynh dambei kom oy sa sai ning kot chloy doy sman sman baep ni. Som okun. Je demande si monsieur le témoin a connaissance du fait que certains cadres auraient pu se rendre à Bang Trabek lorsqu'il était placé sous la direction de Pang pour y rencontrer ou endoctriner les intellectuels. Est-ce qu'il en a connaissance ou non? Mr. President, if I may, just very quickly, I would appreciate if the gentleman
would be very careful. His first question called for speculation. Now he's talking about a fact and about awareness. Is he rephrasing the question, or is he suggesting that that was his initial question? Because it gives the impression that somehow the objection that was raised is somehow improper. So if he is rephrasing, then he should tell us that he's rephrasing. And also he's claiming that this is a fact. So this is the counsel leading the witness or testifying. Je vais passer à une autre question, Monsieur le Président. Il reste peu de temps. Lorsque Yang Sari est allé à Bang Trabek, qu'a-t-il fait sur place? Đôi khi nhóm ban chùm riệp, khi nhóm tư chùm mùi lúc, khi nông bê đai l, mình lư bì ạ tết tê đài dùn chùm sọc, quạt tư ni, quạt tư đàm bay riệp châm, bong pha ôn, cầm oi tọ slot, hơi triêm, Est-ce que vous avez reçu à la fin 78 ou au début janvier 79 des instructions de Yang Sari concernant l'évacuation des intellectuels de Bang Trabek? Cứ ọt miền tế, tòa tài kể thật, và thọch nhọc nhắm mươi khơi dập hiệp ca Việt Nam chôn màu sọc khám ai, và hai chìa. Mà tết chiêng muôn nắng bán cót ai khi nhầm tờ điệp rồi. Monsieur le Président, je n'ai plus que deux questions, mais je voudrais simplement montrer, avec votre permission, ce que Monsieur le Témoin avait dit à ce propos dans le document D91-14, à la page en Khmer 00-20-40-97 et en français 39-39-36. Merci beaucoup. Je signale encore une fois qu'il n'y a pas de numéro d'IRN en anglais. C'est une partie du procès-verbal qui manque. Je vais lire ce que monsieur avait dit à ce sujet. Il a dit ceci. Lorsque les Vietnamiens étaient sur le point d'arriver, monsieur Yang Sari m'a demandé de rassembler tous ces intellectuels et de les faire monter dans le train qui devait partir vers l'ouest. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, monsieur le témoin? Pourquoi était-il important que ces intellectuels suivent les Khmer Rouges à l'époque au moment de la fuite? Qu'est-ce que c'est que
ọt bằng khom tê. Merci. Alors, dernier extrait, Monsieur le Président, avec votre autorisation. Puisque Monsieur le témoin a dit qu'il n'y avait pas de lien entre Bang Trabek et le ministère avant que Bang Trabek passe sous la responsabilité du ministère après la mort de Pang. Alors, il s'agit du document D233-2. En français 00 34 54 54 00 34 75 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
My client is waiving his right to be present in court this afternoon and he's requesting permission to follow the afternoon session from the holding cell. សូមអញ្ជើញក្រុមជួយ